What's up guys? Bonsoir, le mec il a cru quoi? Pour la 12e vidéo sur Far Cry 4, aujourd'hui comme vous le savez tous, on va s'attaquer à un fort que ce gros trou du cul a ciblé. Vous le voyez, suivez-moi. Voilà, donc c'était ma vidéo. What's up guys, Junior PZ. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, c'est le 10e épisode. Et nous avons... non, retournement de situation, c'est ma vidéo. Mais bordel, d'où tu sors toi? Elle était drôle sa blague à ce mec. On sait pas si c'est la voix de qui quand même. Ah non, moi je sais pas qui c'est. Mystérieuse. Ah. En fait, c'est ici la voix et c'est un nouveau participant aux vidéos. Donc je te le présente. Je l'ai acheté hier. On vous direct après sa blague. Attends. What? Mais. Voilà, pour la peine. Allez, je me tire maintenant. Vous allez bien, monsieur? Hop, hop, hop. Je vais prendre. Laissez-moi prendre ma Renault, s'il vous plaît, 2 secondes. Et je rentre chez moi. C'est quoi cette explosion? Ayoub! Monte! Attrape la portière! Bon, je vais t'exploser. Ouais, j'ai vu ça, c'est pour ça que je fuis. Bon, d'accord. Très bien. Ah! Ah, tu es tombé par terre. C'est-à-dire que. Je suis pas mort en explosant dans la voiture, le mec il a d'abord ouvert la portière et il est tombé comme il. Je ne mourrai pas dans une voiture! Non! Mon père me l'a interdit! Ah, bordel. Bon bah du coup on va s'attaquer à Varkshakot. Je sais pas si ça va nous prendre longtemps. J'imagine que non hein. On est tellement des beaux gosses. Attends, on va prendre ça. J'ai une PKM ça moi. Ce coffre brille mais on peut. Voilà. Merde. Ma voiture. Oh ouais, putain. Je me suis dit, pourquoi je vois plus la route? Je te jure, c'était incompréhensible parce que je suis resté au volant à ce moment-là. D'accord. Tu sais qu'il paraît que ça porte bonheur quand ça reste droit. De quoi? Les voitures. Ah. Je savais pas. Sauf qu'elle est déjà niquée donc ça t'a porté malheur finalement. Bah non, regarde, tu es en vie et t'es mort. Un mal pour un bien. Ah ouais? La preuve. Bon, du coup, on va se diriger. Sans danger vers... Putain, je le savais. Sans danger. Ah danger. Mais... Putain, et on va mettre plus de temps à s'affronter qu'à affronter fort. Allez, let's go dessus. Des munitions. Attends, il y a un marchand. Je t'en supplie, ne tue pas le marchand. Fais pas la blague trop prévisible, j'ai besoin de munitions. Content de te voir. C'est peur, c'est quoi, tu me demandes un truc comme ça. Ça me fait mal au cœur de pas le faire. Ouais. De toute façon, tu peux le faire, maintenant j'ai pris mes munitions. Hein. Je crois que ça t'intéresse plus de le faire maintenant, c'est ça? Il y a des tirs là. D'accord, les mecs ils étaient en train de s'attaquer à un pauvre pigeon. Pourquoi? T'écrases mon pote. Oh putain. Chier, ça allait m'écraser en plus hein. Mais pas... Et regarde, ils partent comme des putains de... De truands là, allez hop. Et vous là? Bordel, ils ont pas compris que la route c'était pour les piétons. C'est pas possible ça. C'est choquant quand même. Ouais, franchement. Y'a pas de respect. Oh, le respect de notre jour, merde. Bordel. On aurait peut-être dû prendre un hélicoptère ou un véhicule parce que. Y'en a pas. C'est quand on s'est quand même lancé sur 1 km de route et à pied. Eh oh. Regarde eux. 1 km. Tu vois. Attends, tue les mais sans les exploser. On prend leur véhicule. Bonjour monsieur, vous allez bien? Vous descendez? Merci. Ouais, salut. Ils vont prendre véhicule à domicile. Allez hop, salut toi. Hop, tu brûles. Dégage maintenant, je vais. Non, un crame! Non mais c'est le mec. Sans cramer cette voiture. Non vite, elle va qu'elle pète. Mais elle va pas, elle pète pas si elle crame, t'inquiète. Allez, va. D'accord. Voilà. Allez, tu vas tomber au bout de 2 secondes. Ah mais attends, il y a de l'eau là, c'est une mauvaise idée. Tu vois lui? Voilà. Sans aller de la route. Hé, hey, monsieur, la route n'est pas pour vous. C'est pas possible. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Bouffon. Oh, ça tu es un méchant. Eh ouais, y'a des méchants avec là à côté. T'as pas vu peur? Vas-y, je crois que c'est la voiture de James Bond, elle peut nager. Oh, oh comment t'as bugué. Oh putain. What? Poisson démon. Poisson démon. Il m'a attaqué ce connard. Je suis en vie, il est où?
Putain, mais attaque-moi, monsieur. Oh, j'ai pas. Ah, j'ai pas le. Oui, pas le. Je crois qu'il est mort. Hein. Ça s'appelle la pêche à la dynamite, en fait. Alors, attends. Regarde. Eh, où là-bas? Eh, réquisition de voiture. Putain, merde. Tu es sniper. Presque. J'ai tiré un peu au pif, mais. Je te dis, d'après mon expertise, on n'y était pas loin. Ah, bah tiens, il y a un truc là, de toute façon. On est des spawns d'un coup. Oh, un buggy. Oh, yes, c'est ce que je voulais depuis le début de ce putain de jeu. Attends, laisse-moi rentrer à côté là. Voilà. Oh là là, bah alors là. Les ennemis directs, mon gars. Bon, allez, on se tire. Ils sont morts. Ils sont. Je vais en faire un petit truc comme ça là. Moi, je fais ça. Ah ouais? Moi, je fais. Vas-y, je te regarde me le faire. Ça là, allez, oh. Merci. Tiens les bolos. Voilà, arrête-toi vers 200 mètres. Oh, des éléphants, mec. Waouh. Arrête-toi ici. On va attaquer à deux éléphants. Bon bah je pense que on connaît déjà le nom des vainqueurs. Hein. Le nom des vainqueurs, Dumbo. Dumbo 1 et Dumbo V2. Allez, c'est parti. Mec, je peux pas monter dessus, il veut pas. Hé, hey, copain. Comment ça, il veut pas? Mais reste tranquille. Au fond. Allez, c'est parti. C'est le plus fort. Wow, les... Par contre, Power, ne me fonce pas dedans. Je te fonce pas dedans parce que on s'entretient, mais des fois. Je sais, t'inquiète. Ce culbut. J'avais vraiment mal à la gorge à ce moment-là. C'était pas sous-entendu. Tu es ok? Hein? Non. C'est un Pokémon qui voulait se faire culbuter, il a dit ok. Waouh, et tu commences vraiment à être de moins en moins marrant, hein, c'est triste. Alors, attends, comment on fait là? Est-ce que tu crois? Ah oui, bah oui, forcément. Ayoub, tu connais ça? Regarde. Oh, mais t'as tué mon éléphant! What the fuck? Il est mort! Mais nos éléphants! Ayoub! Pourquoi? Oh, j'explique. Vous avez tué nos éléphants! Oh! Énervé, ça va! D'accord. Je n'y vais pas! Je suis énervé. Ah, pardon, je voulais pas! Donc, on connaissait bien le nom des vainqueurs, n'est-il pas? Je suis ici, Ayoub! Là! Qu'est-ce que tu fais? Ayoub? Homme dans l'eau, viens ici. Je me soigne. Qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement en train de bugger. Je glisse! Si je tombe dans l'eau, je meurs, Ayoub! Non, pour... Non! Non! Putain! Oh mec, je te voyais tomber tout doucement. Oh non. En plus ils ont droit à des renforts, c'est beau gosse là. Mais t'as vu, mais moi je pense que la technique c'est de voler leur truc qui est devant là. Qui a tué instantanément nos deux putains d'éléphants. Et voilà. Alors attends, il est où le mortier exactement? On va faire du repérage. Watch it, c'est quoi, on y va? Bonjour, bonjour. Il y a Adrien qui pourra, on va prendre le... Bon, je vais prendre l'arc. Attends, je vais balancer de la viande. Merde. Mais comment ça se fait que je touche pas, là? C'est abusé. Ah, voilà. Il y a un chien. Hop là, flèche dans la tête. Et si on les tue comme ça, normalement, on devrait s'en sortir. Ah, bonjour. Il a brûlé? Ouais. Mais... Je suis devenu nul. Bonjour. Professionnel, mais tu es tué avec l'arc là? Tu es fait exploser comme ça? Bon, c'est quoi? Normalement, je peux acheter des flèches explosives et enflammer, enfin incendiaire au marchand, mais j'ai pas pensé. Un mastodon, ça m'a. Il brûle, t'inquiète. Prends ça. Oh, ils ont sorti le mortier, gars. Cours. Oh putain, ils tirent en mortier sur eux-mêmes tellement ils s'emballent les couilles, les mecs. Brûle, toi. Mec, normalement, t'es en cendre là. Mais... Mais il est vénère, lui. C'est impossible. Putain, il y avait une... Ah non, c'était juste un petit, une petite lampadaire. Je pensais que c'était une ruche, là, qu'on allait mourir. Attends. Comment la ruche, elle est plus forte que le fort. Ah ouais, mais... Attends, on va aller là. Et on va essayer de choper leur mortier, parce que si on l'a stratégiquement, on a gagné. Hein. Hop. Oh, je vais la voir. Ayoub. Bah alors, vous vous sentez dans la merde. Ah bah alors là, ils sont carrément dans la merde, ouais. Ah ah ah. Ayoub, protège-moi deux secondes. Bonjour, No. Putain, merde.
Merde, Ayoub, viens vite. Les ennemis sont complètement buggés. Viens, vite. Je die. Et mon tower dive. Non, Ayoub. Bon, j'ai trouvé l'endroit où était le mortier. En fait, il va falloir que tu me cover le temps que je fasse tourner, enfin mais pivoter ce truc. Mais comment ça se fait que t'es mort, ouais. Juste. Parce qu'en fait, le mortier était mis vers nous, donc le temps de le pivoter, bah, je suis mort. Voilà. Mais j'aurais eu le temps, il serait un peu sous terre. T'as tué l'homme qui t'a tapé. Parce qu'ils étaient loin, c'était des méga snipers, faut que tu me couvres, attends. Déjà, on refait l'entrée de vos gosses, comme ça. Voilà. Et moi, je retire un derrière. Il y a un sniper, là, je crois. Oh, c'est quoi ça? Ayou, viens m'aider. Ça y est, ils ont tiré leur truc, ça sert plus à rien de fuir maintenant, viens. Ils en tirent plusieurs. Viens. Évite de brûler là. Je crois qu'on va passer l'épisode à le tuer ce fort. Hein. Il déconne vraiment pas. Oh, t'as mais vu c'est quoi ça? Je crois qu'il y a des mines en fait. Ça, tout s'explique. Mais empêche-les de me tirer des cocktails molotov. Ah bah voilà, attends, il y avait une sorte d'entrée furtive par là. D'accord, bah attends, je commence à faire du repérage pour la prochaine tentative parce que je pense que là c'est un peu foutu. Oh, ça sera pas bon. Attends. Ah putain, mais il nous faut monter là, genre, oh c'est l'endroit où il faut aller, mais c'est qu'après t'as un peu bloqué quoi. Pareil. Regarde. Sans monter, je sais ce que je vais faire. Attends, vas-y, Wingsuit. Allez voir. Wing Sweet, te sens pas, je suis tombé, pas toi. Heureusement que j'ai du contrôle moi personnellement après. Alors attends, je vais lui mettre une flèche dans la tête. Ça a passé au calme. Ah mais j'ai fait un truc chelou quand même. T'as vu? T'as activé le Wing Sweet direct? Ah bah oui, sinon tu passais pas. Et comment ça se fait moi? Il me demande pas si je veux l'activer ou pas. Ah mais moi, tu sais, t'as pas besoin d'attendre qu'il te demande, hein. Moi dès que j'étais en l'air j'appuie et c'est tout. Mais idem. Hop là, pour la troisième. Ça va qui meurt, pousse là. Comme ça, genre. Hop. Ils ont trop de mastodontes, c'est pas possible. Mec, troisième fois que je teste et que je retombe. Et je brûle leur réserve d'opium, comme ça ils seront deg et ils vont avoir du moral à zéro, on pourra les tuer plus facilement. Ou alors ça risque de les enrager, je sais pas. Putain, alors lui, c'était ridicule ça, non. Bonjour. Là, je suis... Bonjour, deux. Spot, là. Je suis dans un putain de bon spot. J'aurais dû me faire des seringues de soins. Idem. On va aller là. Et je dois au moins, pour cet épisode, utiliser le mortier une fois sur des ennemis. Non, ils vont me tuer avant. Ayoub. Ah putain, je comprends où il est maintenant. Il est sur une sorte de petite tour là. Oh, ils ont carrément ramené un hélico. D'accord, mec, ils ont ramené un hélico qui peut tirer. Ah. Des... Comment on va des... Qu'est-ce qu'il y a? T'as tiré un lance-pad. T'as pas vu l'hélico comment il s'est scratch? Non. D'accord. T'as raté Apocalypse 3. Ascension. Viens ici, Ayoub. Born. J'ai essayé de faire un truc. Comme ça. Vas-y. Attends. Ouf. Yes. Atterrissage tout en douceur. Il est tombé sur le cul. Attends mais je pense que là... Je pense qu'on a gagné, regarde. On tue ce mec là. Comme ça genre. Il est mort. Pourquoi c'est le bonheur que vous voulez? Pourquoi j'ai plus de balles? Pourquoi tu fais le fou alors que j'ai un arc? Alors mon gars... hein? Alors on est mad. On a perdu son fort, bouffon. Eh hey. Hey, mon gars. Oh ça arrive encore. Ah ouais, il y a... Oh putain l'hélico. Mec, sort une arme explosive. Attends. Ah, j'ai plus de lance-patate, d'accord. On est dans la merde. Beaucoup. Bah, tire sur l'hélico direct, vite. Maintenant, là, avant qu'il mette ses renforts. Fais quelque chose. Je fais rien du tout, d'accord. Et où? Mais là, 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 il est là, tu vois pas. Regarde, bah, il a déjà mis les renforts, mais il me tire dessus en plus. Et je pète ça, d'accord. Ça fait une égratignure. Mais j'utilise, voilà, d'accord, au coup de pied. Très bien. Alors, attends. Je vais leur montrer. Seconde, vous voulez bien terminer la vidéo le temps que je recharge ma PKM? Je vais leur expliquer comment ça marche. Are you ready, guys? Where's the fight? Ils sont où? Ils sont là. Kha'Zix. Ayoub, fuis! Je ne peux plus revenir en arrière. Je pense qu'on va détruire le fort.
Attends, comment on va faire? On va lâcher un petit truc là, par exemple. Hop là. Ça arrive encore? Oh! J'ai tiré pile point où l'hélico il va arriver normalement. Attends. Oh, genre il m'a tué. Mais oui, ils envoient 3 millions d'hélicos, ils aiment leur fort, les mecs. Hein. Ah putain, j'ai plus de mune. Ah! Ayou, bien! Ça meurt pas! Ça je ah, meurs! Mec, cache-toi, fais quelque chose, mais meurs pas. Je me cache. Je me cache express. Je peux voir, c'est possible. Viens. J'arrive. Faut pas que je me casse le cul. Là, viens. Non, non, je suis là. Viens vite, regarde. Non, oh, oh, que les deux sont morts. Oh putain. Viens ici. Mais, ça va, vite. Mais il me tue. Allez, mais y'a un mec derrière toi, mais vite. Mais je peux carré. Pas. Carré. Carré, d'ici c'est carré. Oui. I'm dead maintenant. T'es mort. Ouais. Mais viens vite, viens là. On peut pas, c'est quoi ce mince? En fait, c'est parce que t'as tué le truc. Brûle toi là! Mais brûle! Mais le mec il brûle, il s'en bat les couilles! Non, c'est quoi, Ayoub? Je suis désolé. Fais-le dans tous les angles du monde! Mais mec! Mais attends, il faut que je survive! Parce que si je meurs, tu vas m'insulter! Mais il faut pas que tu fasses ton grenade! Grenade! Non, je vais mourir pas prendre grenade! Non! D'accord. Sérieux, mec? Oh, la, 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 mais la, quelle la, merde! Oulala! Oh, je te redis pas, du clan des Gounoufou! C'était pas moi, hein. Ouf, c'était pas ma grenade qui a explosé sur ma gueule, non! Oh, je te déteste, mec! Putain! Tu sais le clan Gounoufou, là? Bah, je te redis du clan, mon gars! Oh non! Eh ouais! S'il te plaît! Fallait pas faire ça! Mais j'avais appris toutes les techniques, je m'en fous! Eh, on fait pas l'entrée comme ça! Mais si ce fut utile, ça m'a! Futile! Y'a plus de porte! Comme Maître Jensen l'aurait aimé! Mais comme t'es un connard! Je sais, Maître Johnson voulait qu'on le fasse comme ça. Il me l'avait dit un jour. Putain, j'aurais dû. Mais si je l'ai, mon sniper! Non, vous allez bien! Je me casse le cul avec un vieil arc de merde avec lequel j'arrive pas à viser, voilà. Là, pleine tête, direct, on cherche pas à comprendre. On va passer par là, là. C'est bien les molotov, hein! J'en ai 7! Et voilà, ils ont appelé renfort, on va se taper 5 hélicoptères. Je les ai pas vus. D'accord, d'eau. D'accord, j'ai pas réussi à faire le wingsuit. Alors que la dernière fois, j'avais fait un truc de beau gosse. D'accord, voilà, donc on part sur une décédation. On va partir sur une réanimation. Voilà, merci, je spawn full vie en plus. Ce qu'il me faudrait, franchement, c'est un mec qui vend des munitions. Alors, je sais pas si ça se trouve dans le coin, mais. C'est le type au milieu de champ de bataille. Bonjour. Bonjour, alors, tu dis ce truc? Vous en voulez? Ah, je vends des bublises. Mais pourquoi je brûle? C'est mes cocktails. J'arrive même plus à monter. Aïe. Bonjour. Non, d'accord. Cause notre père, t'as chaque fois. Non. Je viens de causer mon. Donc, tu vois, là, je suis mort et il croit que je suis décédé, mais pas du tout. Je lui tire dessus. Comme j'ai tiré sur Jean-Claude Van Damme autrefois. Oh, ok, j'ai tiré un truc. Oh. Oh, il s'est pris un lance-patate dans la tête. Il est pas mort, d'accord. Ok, je retiens très bien. Il va se prendre des couteaux de lancer, le mec. Oh, oh. Attends, déjà il faut que j'arrive à le toucher. D'accord. Non. Non, je spawnais à une seconde. Mais je sais pas ce que je me suis pris. Je me suis pris une colère de Zeus. S'il te plaît, ne fais pas l'entrée ridiculement nulle. Mais elle est trop beau gosse. Non. Bon d'accord, on va faire furtif, t'as raison. Mais c'est furtif. Mais t'as vu la porte quand elle explose, c'est trop BG. Mais en plus j'ai pas vu. T'as pas vu? Approche de la forteresse de Doppler. Ne me montre pas. Contrôle la région. Alors attends. Ce sera dur de la détruire. Sois j'ai prudent. Ce qui s'appelle un sniper et ce sniper là qui est là-bas, tu peux nous repérer instantanément. Voilà, il a plus de tête, tu vois. Très simplement. Ensuite, on va faire le tour. Tu l'as regardé? Non. Parce que pour que tu réagisses comme ça, je crois que t'as vraiment vu la tête partir. Hein. Je crois qu'il y en a un autre là. Attends. En fait, il y a 4 entrées de beaux gosses disponibles. Hein. T'es pas obligé de rentrer par là. J'aurais essayé de faire l'entrée spéciale en wingsuit. Attends. Je suis sur la mur. C'est bizarre d'ailleurs de devoir activer le wingsuit ici pour passer. Oh putain, mais ils ont mis des mines de partout, les mecs. Imagine un pauvre type, il a oublié qu'il y avait une mine là. C'est devant la porte. Je rentre chez moi, boum, d'accord, c'était cool, au revoir. Allez, mais. Les mecs, ils ont mis des mines de partout. De partout. Je vous défonce. Vous allez bien? Ouais, moi aussi, très bien. Ouais, ouais, ça va Jean-Jacques. C'est bon. Par contre, je descends. Vas-y, attends. Je vais. T'es mort là? Oh, mais putain, et. En fait,
Je suis le démineur, c'est-à-dire je passe, je les mine à l'avance comme ça, on est plus dans la merde après. Ah. Bonjour. C'est normal qu'ils ont des mitraillettes à Molotov eux. Ils sont en train de brûler leur propre maison, les mecs, ils en ont rien à foutre. Hein. Bon, c'est malade. Ah, ils voient qu'ils nous tuent, ils savent qu'il y a un répop, donc ils s'en foutent. Regarde les mecs au couteau. Sur le coin, ils peuvent rien faire, mais... on voulait être utile, nous. Pourquoi vous faites ça? Oh, venez. Attendez. Il y a un mec qui me spam de balles. Oh mais c'est un bordel ce truc. Oh, et j'en ai marre. Et c'est des mines hein. C'est vraiment des mines. Il y a des mines de partout. Attends. Ah mais ça fait putain d'une heure que je m'enlève des bouts de géants comme mon bras, de mon bras justement. Genre je suis pas mort depuis. Bonjour. Toi déjà voilà ta gueule. Pauvre. Tu vois l'autre? Je crois qu'il y en a un autre derrière là. Ah ouais mais il est dans le fort le mec. Je me disais il est derrière la colline pas du tout. Mec, ils ont cru quoi avec leur vieux couteau? En fait, je crois que c'est des mecs qu'ils aiment pas. Ils leur donnent un couteau et allez mourir, allez. Un vrai couteau. Pas parler. Oh ta gueule. Mourir. Ça y est, trop cher pour ta gueule de merde. Tu vas pas être vrai soldat Paganmin, ça m'a. Alors, sauvez-moi ou moi mourir et échouer mission. Ah, on va pas vouloir mission échouer. On va avoir peur de mine, par contre. Paganmin? Ouais. Attends. Putain mais j'ai pas d'armes en plus, c'est ça le pire. Putain, j'aurais eu mes 18 munitions de lance-patates, ça serait pas passé comme ça. Hein. J'ai plus de patates moi aussi. Y'a des chiens, j'entends des chiens depuis tout à l'heure mais j'ai pas envie d'y aller tellement ça me fait stresser ces merdes. D'accord, tu l'as vu celui-là. Je crois que tu l'as vu. Le chien mec. Andata Takazix. Andaya. J'aurais dû te prévenir qu'il y avait un truc à côté du chien. Là. Pourquoi tu cours mon gars? Non. Boum. Voilà, tout simplement. Ouais. Là, y'a des mecs là-bas, t'aurais pas une sorte. Moi j'ai le lance-flamme, mais le lance-flamme a pas l'air efficace. On teste. Oh mec, sort un truc explosif, je sais pas. Et à côté de chien, il y a des chiens, il y a des chiens. Ça lui arrive. Monsieur, veuillez vous calmer. Connard, je viens. D'accord, président de la République. Quoi? Et celui-ci, viens me sauver vite, ils sont morts, brûlés. Dans les flammes de l'enfer, vite. Pourquoi je t'ai vu faire un 3-6 Titanic, no scope, flash cop, et ensuite t'es tombé? Parce que c'est très bien que je suis un trickshotter dans mon cul, alors viens, regarde. Les doigts, t'étais en train de danser puis t'es tombé. Alors là par contre, hop je passe dans le feu. Et regarde, j'ai mortier, mec protège-moi, y'a un mec là. Putain c'est l'hélico, fais quelque chose. T'as pas un truc explosif? Je spam la pétale. Wow, viens me sauver. Tu as tué avec une mitraillette là? Ouais. Attends vas-y. Il va falloir juste que tu me covers, je prends le mortier et je les tue comme ça. C'est notre dernière chance parce que là ils vont envoyer encore des hélicos comme des connards. C'est votre ultime bafouille. Vas-y attends, regarde bien s'il n'y a pas d'ennemis autour et tout. Non, il n'y a pas ennemi. Oh, il y a un truc qui me tire dessus. Pourquoi toi dire qu'il n'y a pas ennemi? Voilà, je meurs, d'accord. N'y a pas ennemi, hein. Wow. Là, c'est moi. Bata, voilà. Mourir, merde. Qu'est-ce que ce truc? Ah, ah, mourir, hélicoptère de l'autre côté. Fils de putain. Mais, je vais te réanimer. Bouge du truc. Devoir utiliser l'arme suprême. Ils sont où ces salauds? Je les vois même pas. Spam piquen. Oh Adrian. Soigne. T'es mort. Putain préviens. Bah ouais mais je pensais que tu l'avais. Je suis décédé complet là. Oh merde. Ça va être ce qu'on appelle la fuite dans le jargon. D'accord, la porte est fermée. Le mec il se prend pour un coup. Oh. Mais non, mais t'es sérieux, mais... Mais c'est toi le premier à être mort, pourquoi t'ouvres ta gueule? Qui mort à ton avis? Parce que tu utilises pas un putain de mortier. Le mais mec... J'utilise, mais il faut qu'on me cover. Faut que j'utilise un mortier. Moi, j'utilise le mortier, et ensuite tout le monde meurt. Non. N'importe quoi, mon gars. Putain, plus lasmannazus.com. Ça m'énerve, tu sais quoi, boom, bitch. Ah ouais? Et qui est le pas? Déjà, je t'apprends parce que c'est comme ça qu'on pète une porte. Pute. Il y a des mines de partout, mais j'en ai marre, je me fais tout le temps. Mais non, mais c'est des mines, ça y est, ça va plus rien faire maintenant, viens. Viens là. Oui, allez. Allez. C'est remis 4 fois le bras en place. Parce que la première fois ça marchait pas, allez, hop. Attends. Alors. Ah ouais, toujours pas bien en place. Faut que je trouve un moyen pour récupérer des putains de mines explosives.
Il va falloir les fouiller, les gars, en fait. Attends. Toi, déjà, ta gueule. Non, j'ai dit ta gueule. Non, mais... Voilà, comme ça. Ensuite, on va tester l'entrée en wingsuit. Et voilà, il y a des renforts. C'est bon. Oh, j'ai une idée. Pendant les renforts, viens, on rentre pas dans le fort, justement. Et on attend que les icônes ils arrivent et on leur tire des lance-patates de l'extérieur. Avec trois flèches, tu butes un mastodon. Wow, quand même, hein, ça a trois flèches, ça fait mal. Hein. Oh! C'est toi qui as utilisé le mortier? Non. Quoi, ils ont utilisé le mortier contre eux-mêmes. On arrive par les airs! D'ailleurs, tu sais qu'on peut appeler des mercenaires à notre escousse, viens, on le fait. Attends. Sort ton appareil photo. On peut le faire qu'en solo. Personne n'est disponible. Ah ouais? Ouais, j'ai le faire solo. Attends. Il est où l'ico? Il y en a un là, attends, je vais essayer de l'avoir. Cette nique, j'ai point uplay. Sérieux? Je crois, ouais. Tu payes des points uplay pour appeler des mercenaires? Ok, d'accord. De où? Très bien. Mec, il y a un mec contre moi qui m'a tué. Ah, il est mort. Et il y a. Bordel. Attends, je m'occupe de ce truc dangereux. C'est fini. Oh, c'est fini. Bah, j'ai tué le. Celui d'ail. Oui, bah je vais attendre que tu pop en allant très loin et évitant les mines. Ils ont un mortier, j'avais oublié ce détail. Voilà, il s'est rien passé derrière moi, c'était un petit tremblement de terre, c'est tout. Alors, tu spawns dans combien de temps là? 3-2. Mais c'est une loupe. Allez, go. T'as gardé du lance-patate, j'espère. J'en ai plus. Merde. Chiant ces mines, hein. Putain. Oh. Dis-tu-le, lui, vite, je suis en train de me soigner. Ouais, d'accord, tu es allé à l'arc, je comprends pourquoi ça a mis du temps. Alors, je récupère quoi sur lui? J'ai pas récupéré de mine, hein. Du coup. Toi, mon gars, tu meurs. Voilà. Hélicoptère! Putain, mais normalement, je me suis gavé, ça a explosé dans l'hélico et tout. Mais... Ah, voilà, j'ai détruit l'hélico, mec, viens m'aider maintenant. Non, même pas. Ah, il est en train de fumer, mais. Putain. Ah, il y a une. Il y a une PKM, c'est bon, on va faire ça. Oh là. Putain, je rêvais que tu aies cette arme. Regarde. Oh, putain de mortier, mec. Je sais pas comment on se cache là. C'est bon, heureusement, il était derrière les murs. Il y a un ennemi là, normalement. Il y a l'hélico, c'est l'hélico. Waouh. T'as vu la PKM, mon gars? Putain. C'est la puissance, cette arme. Oh, mais il arrête pas, lui, avec son mortier. Attends. Viens, on fait le tour, Ayoub. Mais fais attention, parce qu'il y a des mines de partout, en fait. Même sur ça? Non, là, non. Mais là, tu risques de tomber sur une mine, ouais. Regarde vraiment bien où tu marches. Je suis dégueu d'être tombé là. Oh, j'arrive pas à remonter. T'as peur? Sous l'eau? Non. Alors voilà, là il y a des mines par contre. D'ailleurs, il y a un méga panneau. Si tu passais devant, Ayoub. J'en vois une là, je crois. Ouais, attends. Voilà. Tu vois, regarde, très bien une technique ancestrale qui consiste à poser une bombe. C'est quoi là? Ah ouais, d'accord. T'as fait genre les mecs à la Call of là qui posent une bombe et qui rentrent. Allez, sergent Price, 1-2, 1-2. Allez, c'est parti, on rentre les mecs. Et la ralentit. Ouais, le ralenti. Oh, Ezio Auditore. Je l'ai vu, c'était magnifique. Attends, vite, je prends ça. J'espère qu'ils vont pas me tuer cette fois. En plus, ils l'ont dirigé vers eux, ces connards. Ça va finir en 2 secondes là. Alors attends. Vas-y, je vais tirer. Je vais tirer en chaîne. En chaîne? Chaîne, ouais. Ouais, vas-y. Derrière nous, pas. D'accord, je sais pas d'où ils sortent. Ils ont amené 2 hélicos en même temps, très bien. Quoi? J'ai well play. Bon, allez, cette fois c'est la bonne. Dernière tentative, et c'est la bonne, mon gars. On y arrive. 30 minutes. Putain, ouais. Ah, allez. Furtif. Ayoub, furtif. Oh, mais du coup, moi j'ai plus mon arc, c'est pas grave, attends. Vas-y, toi en furtif avec ton arc, et moi j'ai le snipe, il me capta si je suis loin. Là, j'ai tué le sniper qui peut te repérer là. Vas-y, tu t'infiltres. T'as pété la porte.
On m'a expliqué. Non, non. Non, non, pète pas la porte, mec. Passe par l'endroit où Wingsuit. Furtif. Ayoub. C'est la dernière tentative, qu'est-ce que tu fais? Mine en plus, putain, il s'est pris une mine, ça y est, c'est mort. Furtif. Oh le bordel. Merde. Il y a un valet de travers. Attends, j'allais me poster à un endroit très 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 loin. Tu fais une mine ici. Attends. On aurait eu un petit hélicoptère, on aurait été bien. Oh, regarde comment je suis passé, hop. Il y avait un petit bounce et tout, et là je me mets là. Tel un putain de ninja. Bounce by flame. Tu parles de ça? Parce que t'as dit il y a un petit bounce. Oh c'est bien ici. Sans deck. Et là j'ai un puissant là. Bande de cons. Bon du coup il va y avoir des hélicos maintenant. Zaminamina, waka. Il meurt le mastour. Non mais tu relues des flèches mec. Et j'ai plus d'arc, j'ai ramassé APKM à la place. Bon lui il a cru il allait prendre le mortier comme ça. Oh, ouf putain. J'ai réussi à le tuer avant qu'il lance le truc hein. C'était vraiment à une seconde. Et pourquoi je suis mort là? Ayoub vite viens. Bonjour No. Arrête de reculer. Je recule pour pas te mettre à portée des balles. Ouais mon cul. T'es quoi, tu le deuxième mortier là? Il a le deuxième. Attends. Putain, mais. Attends, il y aura un hélicoptère sur moi. Attends. Ordo, coco. T'es mort? Rez, Nemimi. Je suis obligé de tuer le dernier mortier. Znemimi. Je l'ai pas eu. Attends, je recule deux secondes. Ordo. J'arrive. On va y arriver là, on est sur un bon spot. Faut juste que j'arrive à tuer ce putain de mortier de merde. Je l'avais touché pour moi, mais je sais pas, ils ont pas voulu. Oh, pourquoi? Je suis mort pour rien. Alors là, je suis mort complètement pour rien. Ah non, je suis pas mort, attends. Il reste 0 PV mais je suis pas mort. Bon, attends. Approche hélicoptère. Vas-y t'as pas le lance-patate. Non j'ai raté. Non, t'as raté ton lance-patate à cette portée là. Ouais. Il meurt là non? Ouais il tombe. Attends il va peut-être tomber sur eux. Non il est pas mort mais. Ah ouais là il est mort. J'arrive. Là il est bien mort même. Attends. C'est vrai qu'on l'a bien défoncé. Par contre j'en ai plus là. Attends, le mortier il est là, je vais l'avoir. Ah lui il a essayé d'y aller. Yeah, t'as cru quoi mon gars? Il a essayé Diallo? Ouais. C'était quoi? C'était genre la politique? De toute façon, je fais des blagues de tout dans le monde. Salut! Wingsuit! Bah d'accord, comment échouer une mission rapidement? Se jeter dans le camp ennemi avec un Wingsuit. Eh hey, mon gars. Bon, je t'observe de loin, Ayoub. Vas-y, on va regarder ton ascension héroïque. Ça, tu meurs? Je vais faire ça, oui. Ouais, qu'il y a un gros point violet, attends, faut le prendre et ensuite la mission c'est fini. Mais non, c'est juste la localisation du force. Faut tuer tout le monde, comme les prises de camp là. Je suis sûr qu'on peut. Il y a le radio. Ayoub, hélicoptère. Oh oh, il y a des armes ici. Bonjour, No. Ah bah alors là je me concentre comme un gros porc hein. Bien. On va y arriver. Si on le réussit pas on se démerde comment? On va faire un épisode plus long? Non bah, je sais pas, on verra. J'ai mis un cocktail Molotov. Parce que si c'est trop long en fait, le souci c'est que sur Vega ça bug. Donc c'est pour ça. Apparemment il va mourir lui là. Mais mec tu te prends un chargeur de PKM. D'accord. Et plus le mien. D'accord monsieur Illico, très bien. Je crois qu'il y en a qui se sont repostés au mortier, Ayoub, fais attention. Bon, en fait, là, il y a un truc qui me tue. C'est un ouais. Chien! Mec, tu as mortier. Oh là là, waouh, heureusement, je me suis décalé. Ah, mais les chiens, ils sont trop chiants, hein. Fais attention à toi. Ils sont chiants? Putain de merde. Ah. Oui, Ayoub, ça va? Tout va très bien. C'est une perche que tu m'as tendue. Attends. Comment tu voulais pas que je fasse cette blague? Oh mais ils amènent 20 hélicos à la seconde et forcément je meurs. Abandonne Power. J'abandonne pas. Mais la mort. Meurs pas. Non mais attends parce que j'ai du lance-patate du coup, je viens de mourir et peut-être que je peux les faire. Mais cache-toi bien. Cache-toi vraiment. Mais si t'abandonnes là c'est bon. Ouais c'est bon, je voulais juste en détruire un et là je meurs, attends. Vas-y.
J'en ai détruit un, mais il y en a un deuxième, Ayoub, fais pas le fou. D'accord, nous. Ayoub, reste dans la dans le bar, dans ça là. Reste ici, je t'en supplie. 10 secondes, mec. Je les défonce, wesh. Tu défonces rien du tout. Et les enfants qui sont pas cachés. Oh là là. Comment je stresse. C'est une seconde là. Il y a un sniper, fais attention à toi. Mais fermez-la, vous là. Voilà, un kill. Allez, attends. Du coup, tu m'as mis dans un endroit complètement à découvert. On va sortir un PKM. Et je pense qu'il y aura des renforts à l'infini tant qu'on pète pas les alarmes là. Elles sont où? C'est affiché, attends, je vais y aller. Toi, reste caché, reste caché. Ah oui, mais je vais y aller, mon gars. D'accord. Ça s'est pété. Putain, j'entends un hélico. Ouais, voilà, il y a un autre hélico. Il a juste cassé cette merde. Attends, attends. Mais il y en a un deuxi- y en a une deuxième de merde, hein, d'ailleurs. Ouh, elle est où? Elle est... Je te cherche à l'Armus Maximus. T'en as détruit une là? C'est à l'intérieur. Il y en a une à côté de l'autre mortier en fait. Ça fonctionne comment? Je la casse comment là, l'Armus? Mais tu tires dessus. Mais y'en a pas. Ah, elle était dehors là. Mais y'en a pas là où t'es. Si, je l'ai cassé. Mais t'en as une là-bas, tu sais, où on était avec le mortier. Bonjour. Putain, hélico, je crois que c'est le dernier ennemi là par contre. Hein. Attends, je sors, on me tire dessus, ça, hein, ça. Non, non, y'a encore des mecs, y'a encore des putains de mecs. Attends, je vais aller détruire la dernière alarme. Oh putain, oh putain, oh putain, ça a risqué ça. Oh, c'était risqué. Fais des tirs de couverture. Tain, je suis mort. Je vais détruire l'hélico. J'ai réussi à le détruire, peut-être avant de crever. Oh yeah! Oh putain! Ouais! J'ai réussi à détruire l'hélico avant de crever, mec! Oh putain! Genre, il m'a tiré la dernière balle, moi j'ai fait non! Patate! Oh, je sais pas pourquoi, mais moi je sentais qu'on allait y arriver, mais dès le début! Mais en fait, putain, non, ils ont pas déconné hein, sur cette mission! Wow! Moi je me suis dit, putain, ça y est, on va faire une vidéo nulle là, on va réussir le fort direct, mais non, mon gars, on a chié dans le camp. Oh putain de merde, moi je pensais qu'on allait faire un très beau gosse avec deux éléphants, ça y est, c'était fini, ils nous ont tué les éléphants en une seconde, les mecs. Mais regarde lui, ils rentrent comme un beau gosse. Regarde les mecs, du sentier d'or, ils rentrent comme des beaux gosses alors qu'ils ont rien fait, ces connards. Ils sont où? Viens, on les tue. Mais oh là, regarde, ils rentrent genre comme. Ouais, on a tout fait, nous. Oh, c'est nous. Mais. Voilà. C'est notre fort. Con. Oh non! C'est le mec qui devient parano à force de tuer des ennemis. Il tue tout le monde. Ils sont vraiment rentrés comme des gros bâtards alors qu'ils ont rien branlé, ces salauds là. Eh? On va voler ça là. Voilà. Et bah putain, bah on aura réussi. On passe des temps. Et bah voilà. Bah du coup, on va se laisser là, nous. Ouais. Voilà. Je laisse faire l'outro parce que t'as fait l'intro apparemment, t'as fait plaisir. Que je dise, j'espère que cet épisode vous aura plu, si vous avez aimé n'oubliez pas le like ou le dislike parce que Power est un connard. Salut, salut, allez, à tous.